L'étau se resserre autour d'Alexandre Benalla, qui a été placé en garde à vue dans l'enquête sur ses passeports diplomatiques. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est entendu par la police au lendemain des révélations du directeur de cabinet du président français, Patrick Strauda. Alexandre Benalla aurait falsifié des courriers pour obtenir l'un de ses passeports, des passeports qu'il aurait utilisés une vingtaine de fois après son renvoi par l'Élysée. Écarté après la découverte de violences commises sur des manifestants le 1er mai dernier, l'homme qui se dit reconverti dans les affaires n'en a manifestement pas fini d'empoisonner la présidence Macron. Les sénateurs doivent à nouveau l'entendre lundi prochain. L'enquête dont il fait l'objet a été étendue aux infractions de faux, usage de faux et obtention indue d'un document administratif.